Et salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de No Man's Skies. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis avec un nouveau casque parce qu'en fait j'ai tourné un début d'épisode de Robocraft qui finalement s'est dévoilé être en maintenance, on va dire. Au niveau des serveurs, du coup, bah, pause. Et quand j'ai voulu retourner de quelque chose, mon casque ne fonctionnait plus. Je n'avais plus de son ni à gauche, ni à droite. Il y a un fond vert. Il y a un fond vert. Et du coup, bah, j'ai dû aller en urgence me payer un casque. Donc un casque d'urgence, hein, littéralement. Histoire d'avoir du son, parce que j'aime pas avoir des écouteurs. C'est trop trop court et je suis obligé de pencher la tête d'à côté pour pouvoir... Bref, vous comprenez ? Et du coup, là, il se trouve qu'en fait, le casque étant tout neuf, il me serre un peu et du coup, je n'entends rien de ce qu'il y a autour. Je ne sais, ça se trouve, je suis en train d'hurler dans le micro, mais je ne m'en rends pas compte. Tout simplement. Donc, monsieur le cadet, qu'est-ce que vous êtes... Je peux pas trop lui dire, des fois qu'ils comprennent ce mot-là. Arme. D'accord, mort, mort. D'accord, la fin de vie. Paniquer, étudier un diagramme représentant deux guerriers au combat pendant qu'un modèle sélectionné de multi-outils attend dans une cellule de stockage. Message vocal constant en une suite d'aboiements et de cris énervés retentit, provenant de, probablement d'une créature occupant une fonction morale élevée. La forme signalée la lâcheté. D'accord. Affronte ton destin. Mais je l'ai pas déjà fait ça? Non. Bon, bizarre. Ok. Ok, bizarre. Bizarre, bizarre. Niveau du vaisseau, où est-ce qu'on faisait, où est-ce qu'on en était. Alors on va clairement pas aller au fond, au bout de cette aventure, chers amis, hein, c'est décidé maintenant, hein, entre temps. Hop. Bah dis donc. Voilà. Ok. On va pas aller au bout de cette aventure, on va juste refaire quelques épisodes, je pense, histoire d'en avoir une quinzaine. Et on reviendra peut-être sur les différentes améliorations que dont le jeu profitera au fur et à mesure. Hein. Donc là, les développeurs ont réannoncé tout simplement les mises à jour, entre guillemets, gratuites de contenu. Les mises à jour de contenu, hein, bien sûr. Donc ça reste, tout cela reste à voir. On verra véritablement si ces mises à jour de contenu sont équivalentes aux fameux DLC payants qu'ils veulent nous faire acheter par la suite. Cependant, j'en doute personnellement, et donc justement, on aura l'occasion de revoir tout ça. Est-ce qu'on peut aller dans un autre système? Tant qu'à faire. Je sais que je ne fais que ça, mais... Hop, par là. Crac. N'a pas de carburant. Ah merde, je n'ai plus de carburant? C'est ça que le jeu me dit depuis le début? Oh merde! Puis j'avais plein de trucs, cube de vortex là. À 24 000 l'unité, j'aurais peut-être pu les vendre. Mais non. Il me faudra donc du zinc. Eh bah écoute, on est déjà allé là-dessus. Non découvert. Eh bah écoute, on y va. Par contre, je voudrais éviter la balise. Non, je vais pas l'éviter, n'est-ce pas? Non, je vais pas l'éviter. Bon, pourquoi pas. Oh, un monde plein de flotte. C'est de la flotte ou c'est de la neige? De la flotte, semble-t-il. Bon, 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 pourquoi pas. Qu'est-ce que ça? Hop, pose-toi. Oh là là, l'atterrissage de folie. Boum. Normalement, en vrai, ça fait boum. Hein. Voilà. Mais bon. Encore une fois, mes pensées me font... Bah, simplement, je pense que le jeu aurait été mieux s'il avait été creepy. Mais bon, ce n'est que mon avis. Hop. Le jeu en creepy aurait été juste magique. Honnêtement. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est ici. Hop, il va me falloir un peu plus de carbone. Ah bah non, ça se bouscule pas pour me donner du carbone. Hein. Hop. Là, ça va être du fer ou du carbone? Du fer. Dommage. Ah. Hop. Hop. C'est bon. Tu es où? Oh, j'ai plus de balles. Excuse-moi.
Hop! Merci de revenir plus tard. Bah d'ailleurs, il voulait pas prendre les... Bon, voilà. Pourquoi je m'embête? Pourquoi je m'embête à vouloir comprendre en fait? C'est ça le truc. Il y a un bruit d'hélicoptère. Bizarre. Bizarre, bizarre. Hop! Salut les filles! Là-bas. Du zinc. Parfait! Hop! Oh! Je vais me faire agresser par une bestiole. Oh la vache! Meurs, charogne! Oh! Faut leur apprendre à me respecter, hein! Oh, des coffres! Qu'est-ce que c'est? De l'émeril! Ah! C'est bizarre, on a l'impression que le monde est de travers. Je tourne la tête exprès. Bon. Hop. Hop. Ok. Hop. M'envoie un texto. Heureusement que je suis en vibreur, hein. Autrement, je l'aurais peut-être pas entendu. Le casque est complètement... Aïe. Et mes boucliers, ils se rechargent comment? Ah bah c'est ça, oui, on l'a vu tout à l'heure, le bouclier, l'icône. On en a vu une icône de recharge de bouclier. Il y a... Là. Hop. Allez! Pousse, Simone! C'est bon. Hop, merci. Alors, là, je n'ai rien contre un peu de zinc. Hop, crac. Donc on est toujours en quête d'un truc d'Atlas, là, à moitié, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et qu'est-ce qui va pas? J'ai pas assez de tamium? Ah non, je suis trop loin du vaisseau. Je suis trop loin du vaisseau, c'est ça le véritable problème. Ok. Il y avait une balise dans le coin. D'ailleurs, mon vaisseau est où? C'est pas celui-là. Mon vaisseau, il s'affiche plus! Ok! Je, tu m'inquiètes. Ok, c'est pas grave. Hop. Aïe. Et des oiseaux. Eh bien, voir papa. Il n'y en a pas une qui touche, hein. Mais bon. Hop. Allez. Je l'ai loupé là, mon dash. Hop. Ok, aïe. Hop, c'est bon. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Mon vaisseau est là, d'accord, je l'ai vu. Il est littéralement derrière moi. Ok, pourquoi pas. Oui, bah oui, au-delà de l'océan. Une forme de vie avancée a été détectée, cela dit. Ça pourrait être intéressant. On en a deux. Deux. Fluide de suspension, cool. Cellule de distorsion directement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? 25 minutes. 25 minutes avant d'arriver, t'es. Qui c'est qui veut se la mettre là? Je t'ai vu, hein? Ça y est. Ah, recharge! Bon, je vais peut-être pas avoir assez de balles. Oui, si c'est bon, j'ai eu ce qu'il faut. Multi-outil, faut recharger. Oh là là. Peut-être pas se faire agresser quand même. Et là, encore une fois. Ah, mais j'ai pas de. C'est parce que j'en ai pas sur moi, simplement, je suis trop con. Wouh. Symbole phallique! Qu'est-ce que t'es, toi?
Brouteur. Ça va. Hop. Mon vaisseau il est par là. Hop. Ok. C'est bon. Pas de bébête. On progresse. Hop. Mais y'a le temps, Simone. Oh, du zinc. Du platine. Non, ça m'intéresse pas pour le moment. Ok. Pas pourquoi ça brille. Oh là, j'ai cru que j'allais me cracher. Pourquoi tu brilles? Du tamium. Ouh. Puis en quantité en plus, c'est cool. Aïe. Il y a plus de piles dans mon jetpack. En douceur. Hop, parfait. Là, nous devrions être à même, normalement. Voilà. 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 Et voilà. Crac, on peut faire le plein. Enfin, le plein, tout est relatif. Hop. Mais en tout cas, on peut faire un petit peu de carburant. Est-ce que j'ai pu grimper dans mon taillet Teyameri S77? Teyameri S77 au rapport. Non, c'est ouais, c'est plutôt mon vaisseau, là, pour le coup. Ce qui veut donc dire que c'est moyen. C'est pas grave, on y va. Est-ce que je peux? Oui, je peux. Merci, le jeu. Map. On se casse d'ici parce que là, ça me plaît pas. Je cherche une truc Atlas. Dépêche-toi de m'en trouver une. Dépêche-toi de m'en trouver une, le jeu. Canon à photons. Il manque peut-être un léger FOV sur le vaisseau. Je vais voir si je peux pas régler ça. Vite fait. Oula, ça fait plus vaisseau de combat que... Il rigole ce vaisseau. Peut-être ça qu'il faudrait rajouter au jeu, un système entre guillemets à la sport, permettant de créer nos propres outils, enfin nos propres trucs dans le jeu, un outil de création littéralement. Hein. Option, c'est pas là, si. Lissage de la souris, non c'est pas ça. Graphisme. Si je mets un FOV 60, c'est plus grand ou c'est plus petit? C'est plus grand. Peut-être mieux comme ça. Ok. Bon, par contre, du coup, on n'a toujours pas de station. Bâtiment abandonné. Ha. C'est bête. C'est bête, c'est bête. Là, on a une station spatiale. Classique. Et moi, ce que je voudrais, c'est un truc Atlas. Oh là là, c'est vraiment dommage. Bon, laquelle me tenterait le plus? Celle-là a l'air bien trop... Celle-là a l'air sympa là-bas, elle est un peu plus loin, mais elle a l'air sympa. Elle est solitaire, on va dire. Hop, on y va. Hop, on appuie sur C maintenant. Voilà, ça va scanner un gros coup. Eh ben, une minute pour l'atteindre, si j'avais su. Trou de cul. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Oh non, m'agressez pas! M'agressez pas! M'agressez pas! Eh bah putain! Où est-ce que t'es, Simone? Parce que c'est bien beau de m'agresser, mais. Faut en payer le prix au bout d'un moment, hein. Hop! Hop. Hop. Ah mince. Mon bouclier. Hop.
Où es-tu, trou du cul? Il fume rouge, hein. D'ailleurs, je sais pas vraiment à quoi ça pourrait ressembler, de la fumée dans l'espace. Hop, je t'ai eu. Est-ce que je peux récupérer son... Hop. Merci. Merde. Merde, du coup j'ai oublié c'est laquelle. Celle-là. On va dire que c'est celle-là sur laquelle je vais. Normalement, oui. Asukiji majeur. Garde ça en tête, Marcus. Asukiji majeur. Hop. Qu'est-ce qu'on met? Voilà. Jeu de mots moisi pour le nom de l'épisode. Hop. Et je m'en doutais, comme je suis à moitié sourd, je fais des choses que je ne fais pas habituellement. Par exemple, là, j'ai déjecté le crayon. Crayon qui ne marchait plus hier, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Oh, c'est la planète caca. C'est la planète caca. Y'a monsieur en qui tue. Bah écoute, on commence bien. Hop, on se pose, normalement juste devant. Voilà. Hello there. Planète radioactive, flore pleine, faune intermédiaire, faible mesure de sécurité, sentinelle, d'accord, bizarre. Alors, avant de... Faible encore Vax, d'accord. Intelligence encore Vax, pourquoi pas. Forme de vie, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais apprendre dans le coin? Oui, il y en a une là-bas. Hop. Toujours intéressant de savoir un maximum des... de mots avant de se lancer dans le... Je recharge parce que je vois des bestioles autour, enfin des commandes, des sentinelles autour. Hop. Je préfère faire attention. Ok, c'est parti. Héritage, j'ai pas eu le temps de lire. Héritage Exantas, monolithe Corvax. Calme, Burgun. Je me sens faible, comme si mon esprit était envahi. Des pustules apparaissent sur ma peau, gonflent et éclatent. Dans chaque plaie béante, je sens d'innombrables petites aiguilles qui grattent. Soudain, des araignées métalliques, peut-être des sentinelles minuscules, grimpent sur mon épaule et dans ma visière. Se pourrait-il que ce soit réel? C'est impossible. Je me mets à hurler. Retirer mon casque et essayer d'enlever les araignées. Tirer avec mon arme. Attendre que ça passe. L'hallucination s'estompe, j'ai réussi une sorte de test, une récompense se matérialise. Parfait. J'ai vu, c'est avec le calme que je me suis dit qu'il fallait que j'attende. Et effectivement, j'avais raison. Parfait. Et donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? Le mot assistons à. Enveloppe Corvax, d'accord. Et c'est tout. Ok. Pourquoi pas? Allons-y. Hop. Ah, il y a un truc juste là-bas. Allons voir. Mais j'aimerais bien trouver un passe Atlas, moi, avant tout. Ce serait vraiment cool. Alors, c'est un petit campement, un tout petit, hein. Un simple bâtiment. Mais sait-on jamais, on va peut-être y trouver quelque chose d'intéressant. Hop, point de sauvegarde. Crac, pourquoi pas un truc de vente, par exemple. Je pense que c'est un peu petit, mais bon. Hop. Hello there. Hop, restaurer le bouclier, pourquoi pas. Ici, on a... un truc déjà connu, pourquoi pas. Et là, de la santé. Parfait. Bon.
finalement rien d'extrêmement intéressant. Comme une bonne partie malheureusement de ce jeu, hein, je l'avais déjà dit, ce jeu est un peu vide. C'est dommage parce qu'il avait vraiment beaucoup, 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 beaucoup de potentiel. Hop, allons-y. Hop. Alors. Alors, alors. Je scanne. Je serais pas contre de trouver une petite ville assez remplie. Alors là, c'est de l'équipement, un bout de sac en plus, mais malheureusement, je vais être un peu short niveau argent, surtout si je veux m'acheter autre chose. Donc bon, on va essayer de ne pas s'y arrêter. Non, là, c'est un peu le même principe que tout à l'heure. On va avoir une petite chambre, mais rien dedans. Ah, là, c'est beaucoup plus intéressant. Hop. Et vous voyez, la carte me l'affiche pas. C'est écœurant. C'est écœurant qu'on puisse sortir un jeu avec des problèmes de ce genre intégré à son gameplay, littéralement. Hein. Je veux dire, c'est pas comme si une partie du gameplay faisait qu'il fallait trouver justement ces choses-là en scannant. Non, non, là c'est... Hop. Oh, me dis pas qu'il faut que je pète la porte. Non, c'est bon. Je peux entrer, merci. Alors. Restauration du bouclier. Bouclier au max. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est juste de la lumière, là c'est rien du tout. Ça, ce sera une amélioration que je connais déjà, voilà. Par là, nous avons une porte qui sera forcément verrouillée, voilà, parce que je n'ai pas le pass V2, parce que si pour avoir le pass V2, il faut que je... trouve autre chose. Je me trouve devant le terminal et je regarde une balise en provenance d'une étoile inconnue s'afficher en boucle à l'écran. La séquence semble évidente, mais que faut-il saisir? 2, 7, 3, 8, 7, 3, 8, 2, 3, 2, 8, 2, 7, 8, 2, 7, 3. Voilà, j'ai découvert un lieu parmi les étoiles lointaines. Parfait. Et moi, ce que je recherche, c'est plutôt un truc Atlas. Hop, pourquoi pas. Une pauvre ruine. Pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et je suis coincé. Hein. Oh là 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 là. Eh oh, le jeu. Pff. Hop, yo. Ah, j'ai déjà fait. Merde, j'ai complètement zappé. Que je l'avais déjà fait, ça m'étonne. Ah oui, je l'ai déjà fait. Ah bah oui, je l'ai fait, oui, je suis con. Oh là là, Alzheimer qui guette. Hop. Alors. Crac. On y va. Hop. On booste un petit coup pour arriver plus vite. Hop. On va bien voir ce que c'est. Hein. Une simple balise. Si j'avais su, bah, je serais pas venu. Quoique, attendez, je sais pas ce qu'elle peut vraiment me donner. Est-ce qu'elle peut m'informer, par exemple, sur un truc Atlas, une anomalie, là. Hop. Ah non, elle va pas m'informer. Elle va juste me dire, voilà, il y a ça par là et autre chose par là-bas. Mais elle va rien me dire sur le reste. Dommage. Dommage, dommage, dommage. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Oh là là. Excusez-moi. Ça vient de loin. Il faut dire que la musique est vachement entraînante. Hop. Bon, on va aller tout droit, on va pas aller s'embêter. Pourquoi j'ai un truc carré au-dessus? Attendez, je suis pas si haut que ça quand même. What? Des fois, quand il veut le vaisseau, il est bien. Hein.
Ok. File-moi une putain d'anomalie. J'ai besoin d'une anomalie. Allez. C'est quoi ça? Ok, c'est du fer, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais ça me donne toujours pas d'anomalie Atlas. Hein. Oh là 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 là. Elles sont introuvables. Bon bah on va repasser sur un autre système, hein, c'est pas grave. Hein. Jusqu'à ce qu'on en trouve une. Hein. Jusqu'à ce qu'on en trouve une. Vous vous rendez compte du bordel quand même. Oh là 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 là. C'est débile. C'est débile. Non, ceci n'est pas... Ah ! Ah ! Ça y est ! Il était temps ! Mais non, je suis pas à proximité d'une station, c'est pas possible. Ah oui, si, mais si, justement, à proximité de cette station, peut-être. Ah, ça doit être ça. Ça doit être ça. Oui ! Enfin ! Depuis 4 épisodes, je crois. 3 épisodes que j'en cherche une. Voire 4. Voire 4. Le problème, c'est qu'avec les épisodes que j'ai tournés et que j'ai retournés, je ne sais plus trop. Allez ! Allez ! Hop ! Oui ! Oui ! Oh oui ! Bon. Allez, on se pose. Et on sort. Ah mais non ! Sors ! Est-ce qu'on a besoin d'être là alors que tu gardes le vaisseau, nous, techniquement ? Hein ? Hop. Ouvre. Merci. Hello ! Hello ! Comment vas-tu, mon ami ? Polo. Ok, Polo affiche un large chaleureux sourire quand il me voit. C'est un peu trop sans doute, étant donné qu'on ne s'est vu que 2 fois. Peut-être que ce geek jovial qui n'a qu'un prêtre Corvax stressé pour seule compagnie souffre de solitude. Cette fois, il me parle d'argent. Comment fonctionne l'économie pour quelqu'un qui a traversé toute la galaxie? Combien rapportent ces terminaux commerciaux? Polo, effrayant de la moindre information. Transmettre des données d'économie. Apparemment, je peux pas. D'accord. Niveau 5 ou plus. Ça doit être un... Ah, attendez. Ça viendrait quand même pas de... Vous voyez, je suis niveau 4. Ça viendrait de ça? Ça serait ça? On va essayer de vendre tout ce qu'on a. On va bien voir. Hop. Hop. C'est pas grave, on va tout envoyer, hein. On va essayer de se faire un petit peu d'argent. Ce serait peut-être pas mal. Ok, là on a tout envoyé déjà. Hop. Si t'avais un comptoir, je pourrais te vendre des choses, bout du gland. Hop. Voilà. Hop. Non, remonte. J'ai oublié de faire une planète. Crac, crac. Hop. Ça va être génial à regarder pour vous. Je suis désolé. Qu'est-ce que... Pourquoi c'est en jaune? Ah, c'est parce que c'est pas moi qui l'a découverte. D'accord. Ok. Ok. Attendez. Hop. Je peux encore me faire de l'argent sur son dos. Moi. ici aussi.
Hop. Ok. En bas, ça doit être bon. Combien qu'il faut que je me fasse? Étape de voyage, attendez, je regarde. Prochaine étape dans 59 000. J'arrive qu'il me fasse pas une étape à la con. Non? Apparemment non. Faut qu'on continue alors. Il faut qu'on continue. Hop, là j'ai tout donné. Non, pas encore. C'est faisable. C'est faisable. On peut se les faire les 59 000. Hein. Hop. Ok. Estimons que quand on sera arrivé à 500 000, ce sera bon. 500 000 unités sur nous. Hop. Ah bah là, j'en ai fait des choses cette planète, dis donc. Non, c'est vers le bas. Hop. Hop. Ouh là là. Je sens que ça va devenir un peu moins bien d'un seul coup là. Je me suis peut-être avancé un peu trop vite. Oh là là. Attendez. Quoique. Quoique, bravos. Ah, ça pue quand même. Il va rien me manquer, vous allez voir, ça va être terrible. Vas-y, combien qu'il me manque? 21 000. Ah, ah, salaud. C'est de ta faute. Je vais te partir. On revient. On dégage. Allez, c'est parti. La planète, là, tu la vois, la grosse planète. Eh ben, on va dessus. On va aller là. Et boum! Hop. Oui, c'est bien, j'ai bien vu qu'il y avait une anomalie, j'y reviens. Je reviens. Hop. L'espace d'un instant, j'y ai cru. D'un seul petit instant. Ok. Trouve-moi un truc à scanner. Allez! Fais pas ta pute! Ou alors une station. Avec plein de choses dedans. C'est vrai que j'aurais peut-être dû aller dans la station directement. Je me suis embêté. La station spatiale, je veux dire, hein, bien sûr. C'est vrai qu'il faut que je précise quand même un minimum. Si je m'étais arrêté dans la station spatiale, j'aurais pu revendre tout ce que j'avais, me faire l'argent et me barrer. T'as été trop con, Marcus. Trop bon, trop con. Bon alors, y'a rien à cette planète? Ah, voilà. Je préfère ça. Hop, on se pose. Crac. Allez, pose-toi. Eh ben dis donc. Il est têtu. Ok. Tempête glaciale. D'accord. Flore inexistante. What? Oh, il fait froid dehors. Comment tu vas? T'as froid? Oui, je comprends. Brigadier. Bonjour, brigadier Bata. Comment allez-vous? Vous et vos lèvres bizarres. Gras, guerrier, isotope. Isotope Pokémon, vas-y, prends du rare, vas-y, je t'en prie. J'en ai pas sur moi. Ah, d'accord, cool, merci. Si tu le dis. Il y a l'encyclopédie, proposition. Pourquoi pas? Déjà connu. Et il a pas de système de vente. Quelle horreur!
Des images sentinelles en pièces sont affichées comme des trophées sur l'écran de ce terminal. Il semblerait que l'ancien responsable de l'observatoire ait eu un penchant pour l'élimination de ces machines. Il aurait peut-être mieux fait de consacrer son temps au suivi des balises reçues, comme celle qui clignote sur le moniteur devant moi. Je saisis le code d'accès. Si je saisis le code d'accès correct, je pourrais peut-être en découvrir l'origine. 46 34 63 44 3 4 4 6 4 4 6 3. Voilà. L'observatoire s'active en bourdonnant et affiche l'emplacement d'un nouveau monde sur l'écran. Ah, mais c'est pas ce que je cherche pour une fois. Le jeu fait sa péripatétie pute. M'en fous. Il fait froid dehors, rien à faire. Froid extrême, moins 84 degrés Celsius. Ah oui. Ah oui, effectivement, c'est... Pour le coup, vous faites pas mine, quoi. C'est... Il fait vraiment froid, quoi. Je l'ai fait, non? Je sais plus. Alzheimer. Ce plan est déjà connu. Santé, bouclier. Ok. Hop. Non. Ah, t'es bugué. T'es complètement bugué, jeu. Hop, analyse-moi ça. Ok, merci. Fuite. Non. Ok. J'essaie de scanner quelques petites choses histoire de voir si on peut pas grappiller un petit peu de crédit dans le coin. J'ai peur de m'arrêter là et de me retrouver face à rien du tout. Allez, on s'y arrête. Il y aura sûrement rien, mais écoutez, c'est comme ça. Oula, par contre, je me suis rentré dans le caillou, littéralement. Hop. Point de sauvegarde. Vallée de Wawa. Wawa. Hop. Ok, ce plan est déjà connu. Moins 94 degrés Celsius. Ah oui, effectivement, c'est... C'est pas mal. Vite fait. Hop. Ok. Cool. On a fait 4000. C'est amplement pas suffisant. Hop. Charge! C'est un monstre ou c'est une plante? Radnox. What? Saloperie! Non. Pas d'hostile en approche. Hop! Où est mon vaisseau? Oula! Hop! Ça, je connais déjà, je crois. Ouais. T'allais pas me donner un petit peu plus de sous gratuitement, hein, n'est-ce pas? Oui, des sous gratuitement, ça ne va pas ensemble. Je suis au courant, merci! Ok, y a rien devant moi, c'est cool. Allez, on boost. Il n'y a que la mer! La mer! La mer! Ça va plus. Bon, y a-t-il quelque chose dans le coin? Ah bah oui! Bah oui, mais pourquoi pas? Tu m'étonnes qu'il y a rien sur cette planète. Les mecs, toutes les 2 minutes, ils ont des tempêtes ou du froid à... Alors, qu'est-ce qui pourrait... Ah, geler votre pisse directement dans votre pénis. Quand vous êtes un garçon, forcément. Ça doit faire tellement mal. Tu veux des glaçons? Est-ce que tu veux des glaçons? Tu pourrais me pondre un truc, s'il te plaît, quand même, là, ça va pas le faire, sinon. Ah bah oui. Bah oui, mais mets-le-moi dans l'eau. Mais t'as raison. Mais je t'en veux pas. Est-ce que je peux me poser dans l'eau, seulement? Non.
Il veut pas. Ça aurait été rigolo. Plouf. Ah bah non, je me suis mis trop profond, j'arrive plus à rejoindre le vaisseau. Ah là là, ça aurait été magique. Ça aurait été juste magique. Alors, est-ce que tu me la ponds, la station? Ah, attendez, quelque chose. Il y aura rien là-dedans. Appelle-moi con. Je le sais déjà qu'il y aura rien là-dedans. Quelle horreur. On aurait dit un bâtiment, l'espace d'un instant, j'ai hésité. Honnêtement, j'ai hésité. Bon. Bon. Ah. Non. Si. Si, il est un peu plus long que les autres. Il y a une chance. Regardez, vous voyez, il est rejoint entre deux. Donc il y a une chance, chers amis, qu'il y ait quelque chose là-dedans. Allez, serrez les fesses, croisez les doigts, ou croisez les fesses et serrez les doigts. Faites comme bon vous semble. Cependant, oula, il fait froid dans le coin. Extrême. Oh là là. Oh merde. What? J'ai plus mon passe atlas? Bah. Ah oui, c'est ça, c'est inventaire plein, oui, surtout. Ok. Hop. Hop. Voilà. Crac. Parfait. Cependant, il n'y aura pas de station de... Ah, il fait froid. Hop. On trouve pas, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Le jeu se moque de moi. Et je suis sûr que vous, devant vos écrans, vous moquez de moi aussi. Il faut que je trouve de meilleures rimes. Je suis pas inspiré là pour le coup. Allez, tu peux même trouver un petit truc sympa, genre ça. Ah non, c'est une... Ah. Hop. Non, y'a rien là-bas. Allez. Aïe. Hop. Ils m'ont perdu, c'est bon. Ouh. Et y'a pas de truc pour vendre. Merde. Ça pouvait pas être possible. Chaîne de montage, Jewalbana. Le terminal est conçu pour être utilisé uniquement par certaines espèces. Un clapet s'ouvre et un micro en sort. Une voix lointaine crie GRAH. Une réponse de ma part est attendue. GRAH. Mon subterfuge est récompensé. Parfait. J'ai répondu GRAH. Oh, réservoir d'énergie. Cool. Cool. Il y a d'autres plantes, cela dit. Attendez, peut-être que je peux scanner suffisamment de choses pour me faire de l'argent. Hop. Allez! Ah, c'est chiant quand il t'affiche ça. C'est terriblement chiant. Bon, apparemment, j'arriverai pas. Ok. Les espèces de... de cornes, là, on va dire, pour être poli. Ok. Ah, je l'avais pas ce truc là. Hop. Ok. Bon, le vaisseau. Hop. Crac. Ouh. Pas passé loin, hein. Commencez à avoir froid là-dedans.
Hop. Et on va mettre un petit peu de, je dirais, du titanium. Tiens. Non, du zinc. J'ai mis du zinc sans le vouloir. Ce n'est pas grave. Oui, je voulais tenter d'envoyer des choses. Et forcément, tout ça, ça n'apporte rien du tout. Ça n'apporte que 500 par 500. Ah ! Rage ! Rage ! Rage ! Rage ! Dis-moi où je peux trouver un vendeur, vite ! Avant que je n'explose cette planète ! Dépêche-toi ! Oh ! Y'a rien. J'ai choisi la pire planète du jeu. Ah. Non, j'ai cru que c'était un truc bizarre ici. Allez, continue. On va finir par trouver quelque chose d'intéressant. Allez! Allez! Ah, mais merde, c'est pas possible! Y'a rien! Oh là là! Y'aura pas un truc de vente, sinon y'a qu'un truc d'achat. Forcément. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Bon. Ah, en plus, je commence à faire soif chez moi. Que vous allez me dire que je vais devoir me concentrer dans les vidéos. Parce qu'en fait, j'ai rien vu. Il y en avait plein et j'ai rien vu. Encore une. Oh là 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 là. Le jeu veut que je dépense mon argent, pas que j'en gagne. C'est débile. C'est typique de la politique du développeur. Ouh là là, je parle mal. Je parle tellement mal. Je me pose là, sans trop d'espoir, je l'admets. Hop. Parce que je pense pas qu'on puisse trouver un... Ah mais attendez. Attendez, si je fais une puce. Attendez. Je fais une puce, je scanne. Attendez. Un avant-poste colonial. Alors, c'est pas ça que je vais chercher. C'est une installation de production, c'est pas ce que je recherche. Hop. Hop. On va chercher autre chose. À mon poste colonial. Alors. Installation de production, encore. Ah là là. Est-ce qu'il faut que je cherche pas plutôt... Ah non, abri, je vais trouver des petits trucs comme ça. Non, il me faut un avant-poste. Hop, on va y aller petit à petit, c'est pas grave. Crac. Je ne veux pas remonter en haut, en fait. Pas retourner dans la station. Allez. Allez. Centre d'opération. J'aurais pu pouvoir trouver quelque chose là-bas. Ok, parfait. Wouh. C'est la fête. Ok. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, nous on va cesser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop!